La Tanzanie et le Burundi, parmi les joueurs, viennent de commencer les préparatifs de leurs championnats respectifs. Mais je dirais avec la motivation que les joueurs ont, et toutes les choses rassemblées, je parle avec les joueurs, on essaie de corriger les erreurs qu'on a vues, on essaie d'augmenter aussi l'effectif de nos joueurs, et dans ce cadre-là, pour voir si on peut faire mieux. Et c'est pour cela que vous avez vu. Et il y aura beaucoup de changements du côté des joueurs, selon les performances de chacun. Mais en grande partie, je dirais que les joueurs, et ils sont en forme, il n'y a pas de blessés, tout le monde est là, tout le monde travaille, tout le monde veut participer dans ce jeu. On fait des causeries avec les joueurs, on essaie de les montrer l'importance de tous ces matchs. On a été qualifié pour la première fois, il ne faut pas et croiser les bras, dire que c'est fini, on est qualifié, il faut continuer à être qualifié. C'est l'esprit que nous essayons d'inculquer dans nos joueurs pour qu'ils puissent, dans leur performance aussi, aller de l'avant et faire progresser le football burundais. Et on insiste sur la qualité, qu'est-ce qu'on veut sur ce poste et qu'est-ce qu'on veut sur cette poste. Et c'est à chacun de travailler dans son club respectif pour pouvoir justement intégrer l'équipe nationale. Merci.